prière puissante pour surmonter les obstacles au nom de Jésus-Christ. Suis cette vidéo jusqu'à la fin, car j'ai une parole pour toi. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi, clique sur la cloche de notification afin de ne pas rater les messages lorsque nous les mettons en ligne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé l'Éternel, il est bon. Nous avons seulement quelques minutes qui vont te permettre de rentrer dans la transformation, de rentrer dans la délivrance et de rentrer dans ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Va prendre ta Bible rapidement dans le livre de Zacharie 4, verset 7. La Bible dit « Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel ? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » Tu dois apprendre alors à prier. Les obstacles qui se sont levés dans ta vie contre ton progrès, contre ta joie, contre ton témoignage, aujourd'hui, ça doit recevoir le feu au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Aie l'habitude de confier ta vie, ta matinée, ta destinée entre les mains de l'Éternel. Nous te disons merci, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour la journée, pour le temps que tu as accordé, que je puisse me retrouver en train d'écouter cette prière. Seigneur Dieu de gloire, lève-toi manifestement maintenant afin que les obstacles se taisent. Lave-moi dans le sang de Jésus et que la puissance du Saint-Esprit de Dieu se déplace pour me toucher, afin que je sois transformé au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, donne-moi le pouvoir de surmonter tous les obstacles dans ma vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je déclare que mes erreurs du passé ne limiteront pas mon progrès, ne limiteront pas mon lendemain. Au nom de Jésus-Christ, tu es mort à la croix de Golgotha pour moi, dans le nom de Jésus, je paralyse tout le pouvoir éternel des gaspilleurs des destinées concernant ma vie, concernant ma joie, concernant mon mariage, concernant mon travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, lève-toi. Tu as dit quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Rayonne-moi éternel, que chaque dévoreur éternel, mangeur de chair, mangeur de fruits de travail éternel, reçoive le feu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne gâchera pas mon témoignage éternel. L'ennemi ne me volera pas ma gloire éternelle. Les obstacles aujourd'hui, je les ordonne de quitter ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que j'avancerai éternel. Je déclare que je progresserai éternel. Je déclare que tout esprit éternel, mon Dieu, mon roi des obstacles, aujourd'hui reçoit le feu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car j'ordonne à chaque montagne maintenant de s'aplanir et de recevoir le feu dans le nom de Jésus-Christ. J'abats éternel les murs de Jéricho qui se sont dressés depuis longtemps contre ma vie de prière, contre mon mariage, ma fécondité, mon témoignage, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur, manifeste ta puissance maintenant, détruis les œuvres des ténèbres, détruis éternel mon Dieu et parle-moi, nuit et jour, parle-moi davantage éternel, je ne serai plus dévasté, je ne serai plus atteint. Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare aujourd'hui éternel, à partir de maintenant, je monte au sommet éternel. La nature va me favoriser, la terre va me favoriser, le ciel va me favoriser, le vent va me favoriser, la lune, les étoiles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare aujourd'hui éternel que les obstacles ne se lèveront plus sur mon chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car je rentre dans la prospérité éternelle. Tous les jours de ma vie sur la terre des vivants, la prospérité sera ma force au nom de Jésus-Christ. Je déclare aujourd'hui éternel que plus personne ne pourra me limiter, les circonstances ne peuvent pas me limiter, ni les obstacles que l'ennemi va chercher à mettre sur mon chemin, car moi je suis plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'aujourd'hui éternel, j'accomplirai ma destinée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je serai une bénédiction pour ma génération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas de liker. Like la vidéo s'il te plaît, aime la vidéo. Je déclare éternel le temps pour moi de rire et de témoigner dans le nom de Jésus-Christ. Car Seigneur Jésus, c'est l'heure des miracles. C'est l'heure de la joie éternelle. Finis les obstacles, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur force. Car le temps est arrivé éternel où moi, ta fille, je vais dire, moi, ton fils, je vais dire, l'éternel m'a mise au large. La joie de l'éternel, alléluia, crie dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je verrai chaque jour éternel sur la terre des vivants ta bonté dans ma vie, dans ma destinée, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Car j'ordonne à tout mal éternel, mon Dieu, d'être brisé by fire, by force. Seigneur, lève-toi, que la grâce de Néhémie aujourd'hui me localise maintenant. Je suis béni by fire, by force. Like, commente et partage. Que mon Dieu te bénisse.